Bonsoir et bienvenue pour suivre la bulletin nouvelle pour aujourd'hui, vendredi les 7 juin, par l'habitude. Nous pouvons commencer avec un grand titre. Département de l'environnement il dit qu'il peut maintenir son ban à le ramasse 19 oiseaux partout dans le pays, inclus Bird Island. Commission élection, pas peut reconnaître sa nouveau comité SNAP, Kozotine Remet Vincent Padayashi comme dirigeant parti et Kenneth Pierre comme secrétaire général parti dans une convention qui s'est fait les premiers ans. L'exhibition est organisée pour sensibiliser le public à la sécurité manger et la façon pour éviter contamination et ça pour célébrer la journée mondiale pour sécurité manger. Bureau de l'Agence protection sociale il a réouvert son wheelchair unit pour bon client qui servait wheelchair et les autres qui n'ont été des habilités. Dans présent passe le bon détail. Ministre responsable pour l'environnement, Flavien Joubert, dit que les officiers de son ministère sont au Bird Island depuis hier. Et l'information qu'ils ont envoyée, il montrait que Sakim chez Guy Savi, propriétaire de Bird Island, il dit qu'il n'a pas reflété la situation de l'asile. Le ministre Joubert il dit que son ministère peut maintenir sa banne, le ramasse des oiseaux de pays et ça inclut Bird Island. Bon matin, ministre Joubert, il joint avec la presse côté une cause de la situation Bird Island d'après l'information qui se bon officiers peuvent lui. Les officiers de l'environnement et le Bird Island depuis hier et qu'aujourd'hui, ils ont une partage certains portraits avec les médias qu'ils ont pu montrer dans différents endroits que les oiseaux peuvent prendre pour voir la situation. Ils ont aussi donné le ministre responsable pour l'environnement, Flavien Joubert, et qu'on a dit ce qu'ils ont pu observer. Runway, que nous pouvons dire, vous dites runway plein avec les oiseaux, il y a un tas de pour tirer et qui besoin d'être enterré à la portée runway, pareil aujourd'hui. Il n'y a pas un oiseau le runway. So, sa statement quand il concerne runway et les oiseaux qui viennent tirer le runway nous pas quoi est valable. L'autre l'endroit qu'ils ont dit nous pour région lisienne c'est qu'il y en a une quantité d'oiseaux aux îles, les oiseaux d'isef en excès, il y en a une quantité d'isef qui besoin gagner en masse gagner enterré. Nous bons officiers pas n'ont aucune évidence que aucun d'isef gagner enterré. Sa image drone qui là il montre densité d'oiseaux actuellement par rapport aux îles. Vous avez voir vous dit il y en a un peu d'oiseaux mais c'est moins et pas nécessairement ça haute densité. Pareil, nous avons quoi? Les oiseaux n'ont pas pillé par tous les îles, ils n'ont pas plein les îles, ils n'ont pas sa quantité de 10 F, pareil, nous pouvons dire, les îles. L'autre chose que nous avons dit, c'est que le banc de sentier est plein avec les oiseaux, ils ont bien 10 oiseaux, le banc de sentier, pour empêcher que les clients soient affectés ou soit qu'ils créent saleté, etc. Il faut voir qu'il n'y a pas d'oiseaux au sentier. Alors pour nous, un statement concernant la nécessité aujourd'hui pour Bird Island, c'est la quantité de 10 F. Dispose, ça m'en disait, vendre nos mailles, enterrer, nous pas avoir un positif valable et nous pas avoir une bonne décision que nous prenons est correcte, côté conseil de ces oiseaux. Actuellement, là, pour ça, des raisons qu'ils peuvent réclamer, sécurité, aviation avec l'hygiène, nos îles, nous pas avoir une aucune raison pour masser aucun disait. En effet, il y en a un petit qui disait qui nous bonnes officiers, tu vois, qui nous gagnent masser, mais de décret c'est brou, et c'est ça disait qui nous noie à nos îles. Nous demandons les corps, c'est ça, et ça, quand c'est disait qui nous gagne en masse, qui supposé gagner enterrer nos îles, soit. De Pérou, Dimoun, Maï, ou Vinmanze. Alors pour nous, ça, statement qu'il a fait, par nous dit dans nos press release, nous avons mis les Dimoun, et puis nous avons fait l'impression de la situation actuellement au Bird Island. Ministre, nous avons commencé, est-ce qu'ils ont pu prévoir que sa situation en termes d'oiseaux peut continuer à arriver au Bird, y évoluer, nous apprendre qu'ils y sont son pic. Donc, vu que la situation y évolue, quelquefois, il y a une nécessité pour. Sabandi mona mas dizeb da haban landoa ki zot pe di ki manye ministre de l'environnement pou deal avec sa issue. Situation évolue aux îles d'après quand ces oiseaux qui viennent à terre. OK? Quelque chose pe évoluer. L'année passée pareil. L'année passée aussi tiens en ban nous dizeb et Bird Island existait l'année passée. Tiens en ban mesi ki quand il prend par exemple pour sécurité aviation aux îles, nous pas besoin faire advert pour dire moun vinn aux îles, ça nous besoin vendre. So il y a une façon pour dispose ban dizeb gagne masse de façon contrôlée. Et nous appliquons même la règle, ça l'en est, dépendant de la situation, mais évoluer aux îles. Vu qu'ils ont dit, par les passes, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont besoin d'enterrer. Après enterrer. Question, c'est à cause besoin d'enterrer. Ça va nous dire. Pas nous à l'évidence qu'ils ont dit enterrer l'année passée, parce que ça va montrer nous, côté ils ont enterrer, et nous n'avons pas à aller. Nous n'avons pas à l'évidence qu'ils ont enterrer l'année passée, et nous pas croire qu'ils ont enterrer l'année passée, et nous pas croire s'il y en a 19, ça l'en est qui pourrait enterrer. Alors, s'ils ont enterrer, montrez-nous l'évidence comme quoi il y a intérêt. Mais c'est moi, nous pas au courant s'il n'y en a aucun 19 qui gagne en masse après enterrer le Bird Island. Et pour nous, ça n'est pas clair du tout.
Et nous sommes contents de voir, Bédalène, tu as montré nous tout bon détail, côté de l'intérêt, combien de l'intérêt. Nous demandons à Bird Island la quantité de zèvres qu'ils ont ramassé et ils ont envoyé un portrait qui montre sa décrète et aussi un trait de zèvres dans le store. Ministre Joubert, nous avons adoré sa cisée d'Imon, montre le Bird Island, suivant notice que Bird Island s'y mettait dans une autre nation. D'Imon, quand on l'osile, bien sûr, ils sont libres. Nous n'avons aucune objection pour ça. Mais seulement, montre l'osile pour manger zèvres. Quand on n'a pas aucune raison pour masser aucun zèvre dans aucun endroit spécial ou sur l'endroit qui s'y posait, quand il tire pour aucune raison spécifique, il n'a pas, il pas fait sens pour moi, il pas pour correct pour dire mon monde l'osile parlement zèvre à cause sa bande zèvre n'a pas aucune raison pour actuellement retirer les ordres. Il y a une bande zèvre côté population y stable, il peut commencer à stabiliser, mais seulement population en gros, les temps nous met tout ensemble il peut descendre. Alors Bird Island même si pour lui y stable à cause, par exemple, un principe contre la végétation et l'effet de la quantité d'oiseaux qui viennent de l'asile, il veut dire qu'il peut gagner plus grande proportion d'oiseaux, mais c'est la population en entier il a un trend qui peut décliner. Ainsi, Zé, qui t'y gagne adressé pendant sa conférence La Presse, et aussi concernant sa runway, qui a construit en 2022 le Cosmoledo, plus spécifiquement le Grand Zile, côté il y en a une colonie Golette. Nous t'y demandons au ministre Joubert plus l'éclaircissement, l'impact de sa runway, de sa colonie oiseaux. Ça concerne en termes de population en entier qui peut décliner. Alors, dans les autres îles, par exemple, il y a une grande population sous Titan. À cause de mes îles, par exemple, nous avons laissé construire un runway dans un endroit côté oiseaux et pond de milliers colonies oiseaux so à cause d'une laisse faire ça si autre l'intention c'était pour porter sa bande oiseaux. Well, vous capable demander sa question avec IDC qui ne considère runway mais seulement nous connaissons que runway pas peut opérer dans les temps que oiseaux peut faire peut pond et pas peut en aucune activité dans l'endroit les temps il y en oiseaux peut faire reproduction. Et alors il y a un runway, un zil, bien si, il traverse une colonie d'oiseaux. Mais Bird Island aussi, il y a un endroit où l'avion est posé parmi les oiseaux. Parce que ce runway, là, le Cosmoledo est fait construire. Oui, mais c'est mentir. Bon, demande à DC aussi, raison. Nous besoin de tomber d'accord avec ça qui fait un runway. Demande-lui à cause qu'il décide de faire un runway. Ou par là, ou à DC, comme un gouvernement, qui a une analyse, qui a fait le côté de l'environnement, et l'environnement est confortable avec l'idée qu'il y a un runway qui a construit le Cosmoledo. Demande à DC, qui nécessite un runway avant et qui bonne provision qui l'in fait pour sa runway. Après, nous n'avons pas répondre à la question, les autres, quelque chose, quand on a pour faire tout sa runway. Tout quelque chose, il commence avec ça qu'il fait avant. Et l'offense est arrivée, ça dit mon qu'il fait. Et l'incident est arrivé, il commence avec ça dit mon qu'il arrive, ça l'incident avec. Après, l'autorité est causée. So, l'autorité n'est pas responsable de l'action et dit mon. Action et l'entité. So, demande sa entité. Et nous demandons la compagnie développement ZIL un interview le sassisé runway le Cosmoledo. Ils ont dit qu'ils ont pour cause le sassisé un peu plus tard. Commission élection pape reconnaître sa convention extraordinaire qui partit snap qui fait les premiers ans côté Zotin remet Vincent Pelayache comme dirigeant sa parti et électé un nouveau secrétaire général Kenneth Pierre aussi bien qu'un nouveau comité exécutif. Chef officier élection, Manuel Amsbury, il dit que la commission a reçu une communication sortie contre M. Pierre, le bon changement qu'ils ont fait après les autres conventions les premiers ans. Commission élection a écrit M. Pierre et fait lui comprendre que sa commission pas reconnaître lui comme secrétaire général à sa partie, mais plutôt Godfrey Hermit. Ça à cause d'après les autres bons documents, l'enregistrement et constitution SNAP, c'est M. Hermit qui gagne reconnaître comme secrétaire général à sa partie et commission élection pour accepter communication concernant SNAP sorti Ziscotli. Nous rappelle qu'en mars, Salonin, Vincent Pelayache, a annoncé que vice-chairman Cyril Lauti et secrétaire général Godfrey Hermit ont gagné suspendre comme membre du comité exécutif SNAP après que plus bonnet Salonin ait fait une rencontre pour M. Pelayache comme membre de sa partie. As we speak now, aujourd'hui, l'État nous peut causer current status parti politique SNAP est comme ça.
Parti leader position, il restait vacant. Monsieur Hermit, il restait secrétaire général parti. Et Monsieur Doglé, il restait trésorier parti. Mon ouais, pour dire Monsieur Hermit, zotti zoin avec média quotidien informé pour dire zotti n'a pointe zot ban nouveau du monde nous gagne informé et commission in informé cher ami pour dire d'après son constitution pour leader et parti gagne pointé il devrait tenir convention alors at this point in time commission pan réazi le saban changement qui zotin don nou. Sa même sa bonne nous dit exot comme ça pour dire currently position party vis-à-vis office bearers il sa trois position qui zoti submit les temps zoti vienne enregistrer avec nous. Alors ça commission peut travailler avec snap meaning secrétaire général monsieur Hermit que la zotin gagne période les temps pour zot faire zot convention. Vous autres donnez-nous the new office bearers. Nous ouais pour dire médias tiens visuel avec nous vis-à-vis sa convention Kingan est fait par Monsieur Padayashi. Constitution snap. Il provide qui secrétaire général qui donne notice pour call et convention. Nous gagnons l'information sur côté Monsieur Padayashi. Nous gagnons l'information sorti côté secrétaire général qui informe nous on behalf of monsieur Padayashi mais l'on nous record secrétaire général et monsieur Godfrey Hermit alors commission qui peut faire li si une convention pour gagner appelé par sa secrétaire général qui l'on nous record nous pas capable prendre aucune information qui ne vient en résultat sa convention pour nous faire un changement et commission in à sa point advise et informe snap pour autres prend le temps pour autres régler tout bon problème interne qu'ils ont en commission élection irrégulateur parti politique et qui commission une servi pour tomber son décision in servi political parties act ça qui ça la loi qui parti qui gouverne parti politique lui même lui demandé et in servi constitution sa parti et alors commission il peut demander parti politique pour autre venir peu plus conversant et si vrai ça qui autre constitution il demandé nous régulateur nous pas entrer dans ça qui passe internellement de parti et mais seulement le temps ou grand idée différents conflits ou comme régulateur ou besoin pas en instance le ça qui la loi il dit et more or less this is where côté nous était là pour le moment nous puis espère snap le nous record qui monsieur Godfrey Hermit gagne contact avec nous pour prononcer un nouveau office bearers. Commission élection pas peut reconnaître aucune communication qui sorti côté aucun les autres secrétaires général à part monsieur Godfrey Hermit qui l'ont nous résiste pour snap. Mon public incapable complice l'urbaine situation que c'est une menace pour la santé associée avec consommation manzé. À travers ça, à travers l'exhibition qui peut faire côte bâtiment Trois Roses, l'hôpital Cécile, sa activité qui fait pour célébrer la journée mondiale pour sécurité manzé aujourd'hui. Il est organisé par Unit Contrôle Manzé du ministère de la Santé et l'Organisation mondiale pour la santé WHO. Tiens, l'autre l'atmosphère qui l'habitue de côté bâtiment Trois Roses pour l'hôpital Cécile, pour tenir l'exhibition que tu peux faire pour célébrer la journée mondiale pour sécurité manger. C'est une journée que tu commences à célébrer à travers le monde en 2018 et Salonin y a fait deuxième fois que Cécile commémore à l'occasion. Pour Salonin, son thème est Prepare for the Unexpected. Nous besoin faire ça pour que tout bon l'incident qui arrive dans le pays, nous besoin parer et rester parer pour aucune éventualité.
aujourd'hui nous capable dire pour dire nous en a l'équipement, nous en a ressources, mais si knowledge ou soit connaissance nous n'a pas, nous pas pour capable atteindre tout ça bonne éventualité qui en a cause tous les temps il y en a bonne nouveau maladie aussi qui sorti. L'été officiellement ouvert à l'exhibition, commissionnaire de la santé publique, Dr. Jude Gédéon, tu dis qu'il y a des éléments dans le bon risque que l'incertitude et puis continue à évoluer. Il est important que tout le monde reste vigilant et proactif pour sauvegarder la santé et bien-être de notre communauté. Through this exhibition, we aim to raise awareness, foster collaboration, and showcase the innovative solution that empower us to confront the unexpected challenges that may arise in the realm of food safety. From emerging pathogens to foodborne outbreaks, from climate change to technological advancement, we must remain vigilant and adaptive in our approach to safeguarding our food supply chain. De son part, représentant de l'Organisation mondiale pour la santé pour CCL, Rex Mpanzanje, indique que WHO pèse son part pour promouvoir et protéger la sécurité mangée au niveau global, régional et national. Côté qui travaille avec l'Union africaine et les autres organisations régionales pour implémenter stratégie sécurité pour manger 2020 à 2030 pour sa continent. M. Mpanzanje tout félicite CCL pour son accomplissement et progrès qu'il fait dans la sécurité mangée. Seychelles has shown commitment and leadership in ensuring that food safety is part of national development agenda and public health policies and programs. The establishment of the Food Control Unit, the development plus implementation of national food safety policy and strategy, the enactment and enforcement of the Food Act and food regulations, the strengthening of food safety laboratory inspection services, the promotion of hazard analysis and critical control point system among food businesses and the implementation of food safety information systems as well as organization of regular food safety campaigns and training activities for various stakeholders are truly commendable achievements. Toujours d'après WHO, mais équipé en sécurité pour consommer, il a causé 600 millions de cas de maladie et que 420 000 morts tous les ans à travers le monde. Mais quelle situation ici c'est celle? Est-ce que ça y a un problème qui arrive souvent? Là, on peut regarder ici c'est celle. Ben l'incident mazé, il pas trop commun. Mon quoi dernière fois que nous tiens là, c'est en 2015 et aussi en 2020. So à part ça, nous avons ben qui miné. Et dans cette exhibition, ben travailleur sorti dans l'autorité sur la santé et les autres secteurs, il expliquerait le travail qu'ils ont fait et aussi donne conseil qui manger pour éviter qui manger capable gagner contaminé. Le petit bout qui là, nous nous fait plus le côté bout pour de l'eau. Par exemple, nous manger de l'eau aussi, tout y importe le temps nous cause l'eau, food safety, nous besoin assurer ça de l'eau qui peut servir aussi, il y a de l'eau qui propre. So nous nous tester plus ben de l'eau, de ben dans l'établissement touristique, contre l'école, contre l'hôpital et nous tester ben bouteille de l'eau qui tu veux nous boire. Nous besoin vérifier qu'ils soient qualité aussi permis standard. Ça fait je suppose un exemple en général manger ou supposer place ou ben quelque chose en ordre. En ordre pour avoid contamination, rodents avec aucun nuisance qui est capable de contaminer zone manger. Pareil faire comme si on a un la viande cuit ou pour mettre bien la viande qui finit cuit, il y en a son certain micro qui cabouse là-dedans. Il pour faire pour garder automatiquement pour garder sur la viande. Pareil avec fruits et légumes, aussi sont en différentes quelque chose qui ca contaminer zone manger. Fromage, gilet tout ça là, il y en a son bon quelque chose qui capable affecter. So pour nous capable préserve tout ça là. Nous mettons dans des façons pour ne pas être contaminés. Séparer un peu loin, après, il y a une température. Il y a quelque chose qui besoin de mettre dans le livre, il y a quelque chose qui besoin de dans le fridge. Tout ça, il faut le connaître. Après, bon travail qu'il fait, côté l'agence de protection sociale, bon client qui servit wheelchair, il est présent capable de gagner accès avec la caisse. À partir d'aujourd'hui, bon dimoun qui servit wheelchair par Jason Winslow, pouvoir est beaucoup plus facile pour gagner accès avec un comptoir à cause de l'agence protection sociale. Et parti sur l'office de bâtiment Ocean Gate House, tin fermé pour appeler temps pour faire certaines rénovations.
ça bon travail qui nécessaire justement pour faire bonne la caisse côte salazan ça vienne accessible pour clients qui servent wheelchair et les autres qui ont certaines disabilités. Brenda Morin, c'est exécutive de l'agence protection sociale, il dit que sa rénovation une prend autre 4 semaines pour compléter et qui en a assez d'espace pour autres clients bouser. Certainement, par on voit avec Ramp Up Rise Up avec Jason qui est user of wheelchair ou noir ligne capable bien virer là et il y a assez d'espace pour autres bouser et même après là c'est en bas là vraiment il pour 10 nos bons clients. Ça veut dire il y a l'endroit pour 10 tous nos clients gagner accès. Et même bientôt, qui nous peut renouveler nos toilettes facilités, qui pour bon client, qui dans wheelchair pour capable servir aussi. Christine Winslow, chairman Ramp Up Rise Up, il dit apprécier sa travail qui bureau l'agence protection sociale in fait. For once, they can actually access a building on their own, independently. There's a ramp, and what's very nice is the counters where they will be assisted. Is wheelchair friendly, it's nice and low, so they're not like left behind and they can't see the person that they're dealing with. So I think it will actually invite more vulnerable and disabled to actually come and sort their own personal issues out now that they can actually access a building. Jason Winslow et dit nous qui maye et senti li après qui capable accès dans l'office de l'agence protection sociale. I'm very happy. What do you think about the area for the wheelchair users? Yes, I'm just happy at this event. Ministre Franco il dit que sa rénovation est bien en ligne avec Mission Salazans pour rester connecté avec tous son clients. Nous devons montrer nos clients qui nous care. If we don't show the clients that we care, then ils pourront être difficulté avec nos relations avec nos clients. Nous devons montrer nos clients l'état vin code nous dans ligne. Et l'expérience qui est positive. À cause de l'état peuvent venir contre nous, il y en a besoin. The client has got a need. So therefore, nous besoin qu'on donne ça l'expérience qui est positive. Whatever the response would be, mais seulement en gagnant l'expérience accueillant, mais aussi positive. Bonne pause pareil, il peut continuer mon gars faire de bonnes les autres bâtiments dans cette la ville pour bon dit monde qui servir wheelchair, il gagne sa facilité. Côte Camion Hall, dimanche, capable de voir différentes démonstrations faites par différents départements et l'agence gouvernement qui basent le bon activité qu'ils ont fait pour garder nous l'océan durable. C'est Fondation Dernier Fort qui organise ça la fois avec Bi pour emmener sa bonne l'institution ensemble pour sensibiliser mon public le sarcisé. Parmi les bonnes dimanches présents, le chairman et fondateur sa Fondation Dernier Fort. Ministre pour l'agriculture, changement climat avec l'environnement, Fabien Joubert et membre de la Fondation Danny Ford. Vache la marine, ou bien dugong en anglais, tu gagnes des voilés comme un mascotte dans la cérémonie d'ouverture de la foi à l'océan que la Fondation Danny Ford a organisée. Ça la foi et une bonne activité pour commémorer la zone de l'océan qui tombe demain. Et avec les participations dans l'institution gouvernement, l'organisation non gouvernementale, l'institution éducationnelle, les autres agences parmi les autres. Consultant et économiste pour Fondation Danifor, il dit qu'il bise à la fois et pour amener sa bonne institution ensemble pour sensibiliser mon public de l'importance de l'océan qui est durable, vu que l'océan joue un rôle important dans l'économie et la culture sociale. Sot voit économiquement nous même petit l'état île et nous avons beaucoup rendement dans l'océan. Ce est vraiment important qui nous fait promouvoir exactement qui l'importance et bon bénéfice plus ou moins de l'océan. Et aujourd'hui, j'ai une voix, il y en a bon partenaire qui vient côté société civile, il y en a bon représentant ministère qui nous vraiment apprécié à cause nous consolider un peu plus sa partenariat comparé avec bon différents l'appel qui nous gagné l'année passée. Et aujourd'hui avec demain pendant plusieurs groupement qui pour venir, il y en a certains autres qui viennent avec des différents brochures, des différents petits jouets qui sont en pour maman. Bonne organisation et l'institution qui peut participer de ça à la fois et expliquer qui ça l'événement et les plateformes pour montrer qu'ils ont fait et l'importance pour sensibiliser le public pour un océan durable.
C'est pas aussi, c'est une organisation qui travaille en isolation beaucoup, à cause de faire plus de travail au côté d'Arous avec Saint-Joseph Atoll. Et pour nous, c'est une bonne opportunité que nous comptons profiter pour bring their work qu'ils ont fait aussi ici avec le general public. Donc, faire une petite sensibilisation avec Larry, Mentari en particulier, pour nous éduquer le public à cause de l'important et à cause de un rôle magnifique dans l'océan. Et par exemple, aujourd'hui, nous pouvons célébrer World Ocean Day, par exemple, nous connaissons le Canada Top of the Food Chain, qui est de balancer l'écosystème en entier. Et pour ça, raison qui nous là pour mettre l'importance, le requin, protéger, nous ne pouvons pas manger, mais nous pouvons dire, nous la pêche d'une façon qui est soutenable, qui demain aussi nous enfants sont capables de boire les mondes, l'environnement, de salé, qui, pareil, nous gagnons cette expérience aujourd'hui. We've been working with the marine conservation all along. We've done the Whale Shark Project. Nous peut travailler avec corail, nous peut travailler avec sea turtles. So these are all part of the ocean. Et it's only fitting que pour une organisation pareille nous, Marine Conservation Society, qui peut join aussi. Ici là, nous pouvons display un petit peu plus probably about the sea turtles. Peut-être les team living ici demain, ceux qui peuvent être demain, qui peuvent prendre un petit peu plus sur côté corail. Mais pour le moment, ils essaient de nous bonnes posters, parce qu'ils nous bonnes poser avec un petit display, faire maman voir sea turtles, après nous avons un nouveau livre qui nous fait faire aussi, avec nous whale shark et un sea turtle comme un main character. Généralement, vous dites tout mon public, tout le monde en général, you need to love your environment in general and the ocean, because whatever is in the ocean, il y a les fellows nous, so tous les deux ils viennent l'impact. It's like an interdependence. Nous dépendons l'océan, mais l'océan aussi, comme l'espèce qui là, dépendons nous. Ça la fois pour continuer demain, 10h jusqu'à 3h après-midi, côté camion hall. Pendant ça, à la fois l'Océan, Fondation Danifor, il aussi prend l'opportunité pour donner prix gagnant compétition d'histoire courte, appelé Voices of the Ocean, qui ont lancé plus bonnet. Ça l'en est sa compétition d'histoire, c'est pour tout étudiant à l'école primaire et c'est fait dans des catégories. Et c'est l'initiative sa fondation pour bon enfants capables de développer d'autres sens créativité et encourager d'autres pour écrire bonnes histoires basées sur la protection de l'océan. C'est Hayden L'Espérance qui sortit l'école Bessetane qui tire ses voix première place dans la catégorie P3 et P4, ensemble avec Mika Félix, sortit l'école Bélazar qui tire aussi gagnant première place dans la catégorie P5 et P6. Ça est pour compétition d'histoire courte appelée Voices of the Ocean, qui Fondation Danifor est organisée pour sensibiliser les enfants sur l'importance de protection et maintenir un océan durable. Nous avons gagné un voyage pour aller à Saint-Anne Marine Park de un semi-sub avec nos parents et un voucher côté GMA Supplies Montfleury qui la valait 1000 roupies sorti Fondation Danifor. Nous sommes vraiment joyeux. La story est un peu timide à Hero. Il y a un site de critiquer de protéger son océan avec son garçon. Après, et tant que tu veux commencer ça, tu veux dire, tu dis à l'eau la terre, tu dis, tu arrêtes, tu ça. On a un cousin pour te faire l'océan. Moi, ça, tu m'en cotes, à cause de mon gars, ça, premier prix. Et mon parti connaît, parce que tu peux gagner premier prix, c'est mon gars. Qui est-ce que tu as une histoire là? Moi, j'ai une histoire basée. Elle est vraiment toi, tu peux rouler le bol là pour prendre ça, tu sais. Et ça a joué, tu vois ça, bon, là, plusieurs jours après, tu ben petit, toi, tu es clos, et tu as 10 ans qui sont plus petits que les autres. Moi, quand les autres, ça vraiment ça, les autres, à cause d'autres, tellement bonnes, l'espèce d'animaux qui est unique, et ça, qu'en de toute façon, ils sont tellement jolis pour moi. À cause de toi, tu as une seagrass, et ben seagrass, si, et nous, l'environnement grandit. Pour les vins zoli et il donne bonne habitat pour bonne petit poisson et les autres espèces animaux. C'est ma zone importante pour nous l'environnement. Hayden et Mika, tu parmi les autres gagnants qui tombent deuxième et troisième place de sa deux catégories. Pareil, Haley Musa qui lit tu gagnes troisième prix de catégorie P5 et P6. Mon sentiment très content qui m'ont gagné troisième prix pour sa short story. Après, mon short story, c'est le milieu avec l'océan. On apprend que mon torchier était. Après, on apprend qu'il faut des tasses de nous qui nous lancent pour.
Pendant cet événement, Fondation Danifor lance sa deuxième édition, compétition La Perche, pour toute l'école primaire. Sa compétition est en baptême « The Blue Planet is our home » et est pour enfants l'âge 6 jusqu'à 12 ans. Pour aller jusqu'à septembre, nous pouvons annoncer le résultat gagnant en octobre. Et tout bon l'école primaire est capable de participer et nous invitons les autres pour participer activement. Ma cause est vraiment intéressant. Il y a l'espace pour nous donner la Zenith, sa plateforme aussi, pour être capable de démontrer nos petits talents à travers la peinture. Alors, je vous encourage à vous joindre nous et je ne pas pour regretter à cause il y a une compétition vraiment intéressante. Hier soir, nous avons annoncé que le ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, Patricia Franco, a visité travailler avec l'hôtel Kempinski Belaza. Mais bon, Zimaz, qui nous a servi, c'est plutôt le ministre qui a visité travailler l'île du Nord le mois passé. Nous demandons une excuse pour ça. Et voilà, bon, Zimaz, que le ministre a pu interagir avec bon travailleur de l'hôtel Kempinski. Sa rencontre, il forme partie de la visite que le ministre Franco y fait pour bon l'établissement touristique à travers le pays pour améliorer la relation travail et promouvoir bon éthique dans l'endroit de travail. Et que l'hôtel Kempinski travaillait une grande sens par les autres conditions de travail et préoccupations avec ministre Franco. Ministre Franco est aussi joint et cause avec bon aux officiers session l'hôtel. Merci pour suivre Bulletin.